Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. On va coudre ensemble une robe inspirée de la robe Selkie. Alors l'année dernière, j'ai déjà cousu le même type de robe, mais celle-ci est la version améliorée. Et le petit plus, c'est que j'ai pris le temps de digitaliser mes patrons. Je mettrai les liens en barre d'infos et vous pourriez les télécharger gratuitement si ça vous intéresse. Je fais du 38-40, si vous faites la même taille, vous pourriez tout simplement télécharger le patron. Je vous ai mis le patron du haut, des manches et des instructions pour faire la jupe. Pour la robe du jour, je vais utiliser de l'organza de soie de couleur rose. Je me souviens même plus où est-ce que je l'ai eu. Du coup, la première étape, c'est la découpe. Je vais couper les pièces de tissu qui vont former le haut ainsi que les manches. Comme vous pouvez le voir, j'en ai profité aussi pour couper la doublure. Donc ici en haut vous avez la partie extérieure et en bas vous avez les pièces de la doublure. Et ici vous avez les manches. N'oubliez surtout pas de transférer les marques sur le patron sur le tissu en découpant les manches. Dans les patrons que vous pourrez télécharger, je vous ai mis des instructions très précises et très complètes sur comment construire la jupe. Mais en gros, pour créer du volume, on aura besoin de 3 couches de jupe. Et si vous avez assez de tissu, vous pouvez utiliser 6 jupes cercles que vous allez assembler deux par deux pour avoir ainsi des fronces au niveau de la taille. Et si comme moi, vous n'en avez pas assez, vous pouvez juste utiliser les 2 jupes cercles pour la première couche. Et pour la deuxième et troisième, vous pouvez utiliser un tissu coupé en rectangle. Personnellement, pour former la deuxième et troisième jupe, j'ai coupé 2 tissus en rectangle de 600 cm de largeur sur 45 cm de longueur. Mais si vous avez assez de tissu, n'hésitez surtout pas à mettre plus de centimètres au niveau de la largeur. Ça créera plus de frances et la jupe sera plus bouffante. Dans les documents téléchargés, je vous ai également donné les instructions et la formule pour construire une jupe cercle. Du coup, je pense que vous devriez vous en sortir. Normalement, on devrait s'arrêter là pour la partie bas de la robe. Mais comme j'hésitais beaucoup entre la version longue ou courte, j'ai décidé de coudre une quatrième jupe détachable qui s'attache à la ceinture. Comme ça, bah, j'aurai les deux versions. Et cette partie n'est pas du tout obligatoire et je pense que je vais même pas m'attarder dessus. Ce petit schéma, c'est juste pour vous montrer un peu comment j'ai constitué la jupe détachable. Du coup, là, je pense que je vous ai tout dit hein, sur comment faire la jupe. Et maintenant, bah, il ne reste plus qu'à couper les pièces. Je vais commencer par vous montrer comment j'ai coupé ma jupe cercle. En fait, j'ai plié mon tissu sur la largeur, ensuite sur la longueur, de sorte qu'il y ait 4 superpositions de tissu. Ensuite, je vérifie qu'il y ait assez de centimètres sur la longueur et la largeur. Normalement, les mesures de ces dernières devraient correspondre à mon rayon plus la longueur de ma jupe. N'hésitez surtout pas à consulter les documents PDF que j'ai mis à votre disposition pour plus d'informations sur cette partie. Là, je suis en train de mesurer le rayon de ma jupe. Dans mon cas, ça a fait 13,6 cm, je crois. Et maintenant, je vais marquer la longueur de ma jupe. Je crois que ça a fait 45 ou 50 cm.
Ensuite, je vais couper tout ça. Et voilà, j'ai ma première jupe cercle. Il faudra encore que j'en coupe une deuxième. Et pour la jupe extérieure détachable, il me faudra deux autres, mais un peu plus longues. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est à ça que ça ressemble une jupe cercle. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faudra que j'en coupe une deuxième. Ensuite, je couperai les deux à ce niveau pour pouvoir les coudre ensemble. Du coup, voilà les deux jupes cercles. Et ensuite, on a les deux tissus coupés en rectangle. Et j'ai aussi préparé les pièces de tissu pour la jupe extérieure. Je vais utiliser cela pour des volants. En gros, ils vont aller sur la partie bas de la jupe. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coudre tout ça ensemble. Je vais commencer par le haut de la robe, c'est-à-dire la partie extérieure et la doublure. Normalement, voilà à quoi ça ressemble cousu. En haut, vous avez la doublure et en bas, la partie qui va se voir à l'extérieur. J'ai marqué le haut de la manche pour l'emplacement de l'élastique. Je vais faire l'ourlet du bas. Ensuite, je vais placer ce petit morceau de tissu pour créer une sorte de tunnel pour l'élastique. Et normalement, après la couture, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très esthétique. Je pense que j'aurais pu avoir un meilleur résultat en utilisant un billet. Et le tuyau à élastique se présente comme ceci. J'ai fait quelque chose de vraiment très simple. Et maintenant, il ne reste plus qu'à insérer les élastiques dedans. J'ai aussi mis l'élastique au niveau de l'avant-bras. N'hésitez surtout pas à faire une petite couture sur les deux extrémités pour tenir l'élastique. Et maintenant, je vais m'attaquer à la couture de la jupe. Pour être honnête avec vous, c'était vraiment la partie la plus pénible du projet. Parce qu'il a fallu faire les ourlets et les francs sur des mètres et des mètres de tissu.
En plus, l'organza que j'ai choisi était trop fin, du coup ça se coinçait tout le temps dans la machine. Je compte plus le nombre de fois où j'ai dû refaire et défaire la couture. Bref, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de bien choisir votre tissu si jamais vous voulez réaliser cette robe. Là, j'ai assemblé le corps avec les manches. Et si vous voulez un peu plus de détails sur l'assemblage, je vous conseille d'aller regarder l'ancienne vidéo sur la robe selkie que j'ai faite. Vous y trouverez toutes les explications nécessaires. Là, on a les deux jupes cercles assemblées. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai fait l'ourlet du bas et j'ai froncé au niveau de la taille. Ensuite, on a la deuxième jupe. Et comme il me restait un peu de tissu, j'ai créé des volants pour la partie du bas et bien évidemment j'ai froncé aussi au niveau de la taille. Et enfin la dernière jupe, toute simple, j'ai fait les ourlets du bas et j'ai froncé au niveau de la taille. Maintenant je vais assembler les jupes avec le haut et ensuite je reviendrai vers vous pour vous montrer le résultat final. Je commence par vous montrer la robe d'un peu plus près. Et de loin, ça ressemble à ça. Maintenant, je vais aller chercher la jupe détachable pour vous montrer les résultats. Et voilà la deuxième version de la robe, je dois dire que je suis assez satisfaite du résultat en général. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous fais de gros bisous et à bientôt !